الحمد لله جزاك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم mes frères et sœurs, mes parents et grands-parents de Bayouf, merci de nous recevoir. C'est un immense plaisir pour nous d'être ici. Et à chaque fois qu'on vient ici, c'est un plaisir. À chaque fois, je peux vous assurer, il y a beaucoup de préparation avant de venir. On est KO comme pas possible. Mais dès qu'on pose les pieds ici, toute la fatigue est partie. S'il y a quelque chose ici, je vous en remercie. Et je pense que c'est la baraka que le cher a mis dans cette terre. Parce qu'il a fait revivre cette terre. Cette terre, c'est la terre nourricière. Et elle a redonné à cette terre cette dimension. La terre ne nous appartient pas. Nous nous appartenons la terre. Voilà, nous sommes en octobre 2018. Et quand je vois beaucoup de jeunes ici, ça me rappelle un autre octobre. Il y a 30 ans de cela, en 1988 exactement. J'étais comme vous. J'étais dans mes vingtaines. Et à l'époque, je peux vous dire, je peux vous assurer, que je me voyais déjà au paradis, parce que j'étais musulman, je pratiquais, et je faisais mes jeûnes, et je faisais tout ce que l'imam dit, je pouvais mettre un check, comme si une croix, je pouvais cocher, dire, ah, moi je suis garanti. Mais quelque chose à l'intérieur de moi, une fois, m'a bouleversé. Quand j'ai vu quelqu'un dire justement ce que je venais de vous dire, qu'on est garanti d'aller au paradis, c'est comme si ça fait tic en moi. Comment on peut être garanti d'aller au paradis alors qu'il y a d'autres personnes qui font beaucoup de choses mieux que nous? Et ça m'a fait questionner un peu. Et Dieu a bien fait les choses. Parce que peu de temps après, j'ai rencontré le col. J'ai rencontré notre vénérable maître, Cheikh Abdullah Diaye. J'ai rencontré notre vénérable maître, Cheikh Alinda. Et ça a transformé la vie, ma vie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le Cheikh nous dit toujours, si on étudie la vie de tous ces êtres de paix, ce n'est pas juste pour l'étudier, ces êtres de paix. Parce qu'on est tous des potentiels êtres de paix. Chacun parmi nous ici est un potentiel Gandhi, est un potentiel Martin Luther King, est un potentiel Nelson Mandela. Ils étaient tous comme nous. Et vous voyez, je vivais à l'époque dans cette dualité, dans cette séparation. Il y avait moi, promis au paradis, et les autres promis à l'enfer. Et il y avait... Je pouvais dire que je vivais la religion, mais il n'y avait pas de spiritualité, il n'y avait pas d'amour. Comment je peux me dire que j'ai l'amour alors que je souhaite à l'autre d'aller à l'enfer? Je pense que l'autre va partir en enfer. Comment est-ce possible? Et cette dimension d'amour, c'est le cher qui nous l'a enseigné. Petit à petit, en faisant le travail, il nous a pris par la main comme des enfants. Il n'y a pas de question d'âge. C'est comme des enfants, il nous prend par la main. Il nous a fait faire le chemin. Et s'il n'y avait pas d'amour, ce ne sera pas possible. Le cher, je sais, des fois, je me demande si je considère, je peux avoir cette même amour pour mon père que ce que le cher m'a donné. Parce que certes, mon père, c'est Dieu qui me l'a choisi. Mais le cher, c'est aussi Dieu qui me l'a choisi. Mon père, Dieu me l'a choisi pour venir sur la terre. Et le cher, Dieu me l'a choisi pour partir vers lui, retourner à lui. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est à travers le cher, à travers l'école, à travers les travaux de conscience qu'on fait, qu'on a découvert ce que c'est aimer. Dans le Coran, Dieu dit, si vous pardonnez à ceux qui vous font du tort, ce qu'on appelle les ennemis, peut-être qu'ils seront vos avocats. Peut-être que demain, ce seront vos meilleurs amis. Jésus, le Christ, dit,
ils disent aimez vos amis et haïssez vos ennemis. Moi je vous dis aimez vos ennemis. Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous haïssent. Et faites du bien à l'endroit de celui qui vous maltraite, qui vous persécute. Entre vous, entre nous et celui qu'on considère l'ennemi, celui qui est opposé à nous, c'est juste une notion de différence de conscience. Quand on a commencé à apprendre les étapes de la conscience, on a commencé à découvrir ce jeu de l'ego qui a été caché dans toute cette société de l'ordre social qui nous fait croire qu'on est les meilleurs, qui nous fait croire qu'on est les meilleurs par rapport à nos diplômes, on est les meilleurs par rapport à ce qu'on possède, alors que c'est que des illusions. Le jeune, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que je vous le dis. À l'époque, quand j'étais encore étudiant, c'était le rêve d'avoir allé à l'université à Paris, d'avoir son diplôme, et d'avoir un beau poste, etc. Mais tout ça n'a rien d'importance aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de pouvoir cet amour qu'on a reçu, qu'on a vécu, qu'on a touché du doigt, qui nous a marqué, c'est de pouvoir le passer à d'autres. Et quand vous voyez le cher qui se déplace, et vous voyez, Aïcha, son Aïcha disait, ici, il est le premier à se lever, il est le dernier à se coucher. Et en plus de ça, il part, il prend l'avion, il voyage dans tout le monde entier. Et quand il est aux États-Unis, ne pensez pas qu'il est juste aux États-Unis. Il est aussi à Pout, il est aussi à Paris, il est aussi en Afrique du Sud, il est aussi à l'île Maurice. Le cheikh, il est partout à chaque instant. Il suit tout. C'est pour vous dire cette passion qu'il habite. Cette passion pour l'amour du Seigneur. Et à travers cet amour qu'on appelle l'amour agapé, c'est l'amour prophétique qui nous a transmis. C'est cet amour qui aujourd'hui m'a fait comprendre que avant d'être musulman, avant d'être chrétien, avant d'être hindou, avant d'être juif, on est d'abord être humain. Avant d'être sénégalais, avant d'être mauricien, réunionnais, chinois, américain, on est d'abord un être humain. Avant d'être blanc, noir, jaune, on est d'abord un être humain. Et ça, c'est l'enseignement que le cher nous fait vivre. Ce n'est pas dans les livres, c'est ce qui nous fait vivre. Il nous a permis nous-mêmes de faire cette transformation en nous-mêmes. Aujourd'hui, à l'époque, quand j'étais à Maurice, je peux vous la raconter parce que c'est ça l'expérience. Quand j'ai passé devant une temple, je faisais mes prières, j'avais peur que les esprits me hantent. Quand j'ai passé devant une église, je faisais mes prières. Et aujourd'hui, avec le cheikh, on est parti dans des églises, on est parti dans des temples, on est parti dans des synagogues, on est parti partout là où les gens parlent de Dieu. Et ce travail continue. Vous voyez, Healing of America. Healing of America, guérir l'Amérique. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi on doit guérir l'Amérique. Et ça, notre vénérable cher Abdoulaye Diaye, depuis 1990, a commencé ce travail. Cher Khalil le continue. Et c'est ce qu'on fait dans l'ensemble des États-Unis, de la côte Est à la côte Ouest. À Seattle, Los Angeles, Portland, San Diego et Boston de Massachusetts, en Philadelphie, en Atlanta, on crée des séminaires, on organise des séminaires, on organise des rencontres, que ce soit physique où on va sur le terrain ou par l'intermédiaire de l'internet et de Skype pour aider les gens à d'abord comprendre que l'éveil de la conscience, c'est d'abord se réconcilier avec soi-même pour pouvoir ensuite se réconcilier avec son prochain et pour pouvoir se réconcilier avec l'humanité. Et c'est ça dont on a besoin, c'est ça dont l'Amérique a besoin, le monde entier en a besoin. C'est peut-être beaucoup plus flagrant aujourd'hui aux États-Unis parce que les plaies sont grandes ouvertes, on les voit. Ce travail, c'est un travail gigantesque. Et voyez comment le cheikh était visionné à l'époque et parlait de la guérison de l'Amérique. Donc c'est pour vous dire donc, le travail qu'on fait. Donc, c'est cette conscientisation.
Et on a vu comment dans des familles, ça a créé des liens. Et ça commence par nous, ça commence par vous, pour tout un chacun. Le changement, on ne peut changer que soi-même. C'est ensuite, les autres changent parce qu'ils voient que c'est possible. Si on ne fait que parler sans que nous-mêmes nous soyons le changement, comme Gandhi dit, les gens ne vont pas nous écouter. Et la prochaine étape, Inch'Allah, ce sera nous aussi de pouvoir avoir nos terrains aux États-Unis, en Amérique, de refaire le réplica de Poudre dans ce lieu. Inch'Allah, que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste. Et avant de terminer, je vais passer la parole à Sofna Aisha pour parler de Sherbrooke. Salam alaikum, bonjour. Donc chez Calipierre, il était dans le paradis, mais moi aussi j'étais dans le paradis. Hein, parce que j'étais chrétienne, et je suis toujours chrétienne. Donc moi aussi j'étais dans le paradis. Mais quand même, il y avait une petite chose là qui n'allait pas chez moi. Alors je faisais des tas de choses, j'allais dans des conférences, dans des séminaires, et tout ça. Et puis un jour, j'ai fait une semaine de théâtre. Et puis qui vient dans ce séminaire de théâtre? Un Africain. Pour parler des masques africains. Et qu'est-ce qu'il a fait dans cette conférence? Imaginez, en pleine conférence, il mange. Alors moi, en tant qu'occidentale, on fait une conférence et on mange pendant la conférence. Alors ça, c'est inacceptable. Et puis, quelques temps après, je vais dans une chapelle, parce que comme je vous dis, à l'intérieur, ça n'allait pas trop. Hein. Même si j'étais dans le paradis, hein. Je vais dans une chapelle et je retrouve cet Africain. Mais là, chez Kalian Dao, à travers lui, mon âme a tremblé. Mon âme a tremblé. Et après, il s'est passé beaucoup de choses. Et j'ai compris que la petite date qu'il a prise au milieu de la conférence, eh bien c'était, il rompait son jeûne. Et moi, avec mon jugement, il a rompu, il a mangé pendant une conférence. Vous voyez comment on est conditionné dans notre bon sens. Voilà. Donc après, voilà. J'étais à la réunion, on a fait des activités que Fatma et Bachir vous présenteront. Et ensuite, à un moment donné, donc j'étais enseignant. Donc comme on dit, je gagnais bien ma vie. Et puis, j'étais à la Dara. Voilà. Mais il y avait le côté enseignant et la Dara. Les deux, ça faisait deux. Un et deux, ça faisait pas un. Et un jour, Cheikh Ali, en fait, il a fait un diagnostic et il s'est aperçu qu'au niveau de l'éducation, rien n'avait été écrit sur les modèles ou les exemples de la paix. Donc, il a lancé cette idée et ça aussi, ça a vibré en moi. Et je me suis dit, il faut que je me lance là-dedans. Et moi, Amina pourra le témoigner, je ne suis pas une intellectuelle. Donc j'ai repris mes études à 45 ans, en licence. Ensuite en master, donc j'ai fait un mémoire sur les modèles de paix. Mais le jour de la licence, le premier jour de la licence, donc j'appelle Cheikh Ali, très fière là. Je suis en licence là, dans un amphithéâtre. Moi, je n'avais jamais été dans un amphithéâtre. Il me dit, Inch'Allah, tu auras ton doctorat. Le mot doctorat, à peine je savais ce que c'était, pour vous dire ma naïveté. Et voilà. Et après, donc, il y a eu la licence, le master. Et ensuite, donc, j'ai continué un doctorat. Et le doctorat, donc, j'étais à La Réunion, et j'ai cherché un directeur de thèse. Un an, pas trouvé. Deux ans, pas trouvé. Donc, je commence à dire à Cheikh Ali, bon, je ne vais pas faire le doctorat, hein, je ne trouve pas de directeur. Inch'Allah, Inch'Allah, tu vas trouver. Et oui, au bout de deux ans et demi, j'ai trouvé un directeur à l'Institut catholique de Paris. Hein? Vous avez bien entendu, hein? Institut catholique de Paris. Et cet Institut catholique de Paris nous a ouvert les portes et nous a proposé de faire un doctorat en co-tutelle avec Sherbrooke, donc au Canada. Et donc, j'ai tout laissé à La Réunion, entre guillemets, laissé. Donc j'ai quitté mon travail, j'ai quitté la Dara, je me suis retrouvée seule, je vivais en communauté à cette époque-là. J'ai tout quitté, mais pour faire un entre ma vie professionnelle et ma vie spirituelle. Et donc, au bout de trois ans et demi, on a eu le doctorat.
On a fait la thèse qui s'appelle, c'était sur l'élaboration d'un matériel pédagogique par les modèles de la paix. Et on a eu ce diplôme qui, Inch'Allah, nous permettra d'ouvrir l'université de la non-violence à Pout, que vous avez pour certains visité. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole à... Merci beaucoup.